Guitencourt, Angélé qui est présent aujourd'hui. Angélé qui est présent, Navidzélé présent, et na Babadi présent. Babadi présent. Tinien présent. Babadi la même. Oui, Tinien. Kusal Bagan, Nguyen Singh, Jani, Ramyad et Baljuan. Ok, allez, on continue. Ouais, après, on va faire la présence. Ouais, Tinien présent. Tinien, fais une démarche, gagne le micro. Correct, parce que tu as oublié d'aller. Maintenant, Liv, nous avons continué un petit peu. Right. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a quelque chose que vous avez gagné. Voilà. Là, c'est un chapitre qui ne peut pas causer. Ok, chapitre qui ne peut pas causer. C'est comme ça. Voilà, ça, là, il finit causer, il finit corriger, mon français. Et là, on peut checker un peu. Il n'est pas complet tout là-dedans, il y a un gros travail là-dedans. Il y a un petit peu causé là. Tu donnes un devoir et tu peux attendre qu'il y ait une réponse là. Ok. Bon, nous faisons aujourd'hui bit manipulation, correct? Nous avons un coup de comment faire. Ok. Ok, aujourd'hui nous faisons un petit peu bit manipulation. Tous les enfants là même là. On va aller rapidement. Correct? Il y a 8 élèves qui sont rentrés sur la tendance de finir. Et nous avons un temps de travail. Moi, c'est maintenant. Ok, what you should already do? Les élèves qui ont besoin de finir coder. Les élèves qui ont besoin de coder un operator. Un operator veut dire multiplier. Allez, commencez. Vous êtes que ça c'est tout. Babadi, allez. Je vais faire un operator. Qui l'a écrit là? Ok, je vais faire print screen là. Je vais envoyer ça dans Paint et tu commences le travail pour moi. Correct? Allez, vite, vite là. Hein. Allez, Babadi. Faisez. Voilà, voilà, voilà. Un operator. 0 fois 0. 0. Ouais. 0 fois 1. 0. 1 fois 0. Do. N fois N. N. Allez, O, Astia, 0 plus 0. 0. 0 plus N. N. N plus 0. N. Et N plus N. N. Allez, D, mais tu as dit N. Maintenant, Zo. Qui veut dire Zo? Le D pareil. Ok? Mais 0. Et il est différent. Il est différent. Nous mettons N. Elle est différente, nous mettons N. Et elle est parée, nous mettons 0. Correct? Donc, ça, les directeurs, you should already know. Correct? Si vous avez connu ça. Maintenant, ben, key terms qui nous devons guetter, nous devons guetter ben, shifting. Ok? Qui veut dire shifting? Logical shift. Correct? Hein? Une minute, nous fassons ça. Si je vais nous revenir là, il y a un medium, key terms. Voilà. Right, allez, right. Je vais expliquer shifting. Voilà. Et ça. Ah, ça me nous a fait ça. Ok. Je vais faire print screen là. Je vais là. Je vais faire ça. Allez. Après Babadi, nous avons fait ça tout. Tinien. Tinien, je vais dans le micro. Bagan. Allez, Bagan. Shifting, nous avons un petit peu compris qu'il y a shifting. Boost van bits, correct? Le boost van bits. Shifting. Shifting, qui veut dire moving bits stored in a register. Ok, a given number of places within the register. Qui veut dire ou boost van bits dans un register. Mais c'est moi qui a boost du côté droite ou bien ou qui a boost du côté gauche. Par exemple,
On a 0, 0, 0, 0 et n, 0, 0, 0. Maintenant, si je shifte li to the right, bon, fais-moi de me shifte li to the right. Allez, nous serions de couleur. Ok, nous serions de couleur. Nous shifte li to the right one place. Correct? And logical shift to the right one place. Qui peut arriver? N là pour venir là. Correct? To the right là. Hein? Bon, avant qui chiffre est-il représenté? Ça, N, D, 4, 8. Avant, il représente 8. Mais là, les mains shift du côté droite, N place, ça 8 là n'est plus 8 à ce qu'il était, dit 4. Veut dire shift to the right, qui veut dire? Shift to the right veut dire division. Correct? Division. Et shift to the left qui veut dire? Veut dire multiplication. Shift to the left qui veut dire? Multiplication. Parce que ça right ça et ça left ça. Veut dire si vous shiftez côté. Si vous shiftez côté 8, vous bougez du côté droite, une minute. Vous bougez du côté droite, non, left. Si vous bougez du côté left, qui va arriver 8 pour 8, 16. Et si vous bougez du côté droite, qui est venu, il vient 4. Veut dire shift to the right, veut dire division. Shift to the left, veut dire multiplication. Mais c'est moi, dépend combien de bits tu peux move. Si tu peux bouger un bit, il est tout ça par 1. Si tu bouges 2 bits, il tout ça par 2, c'est-à-dire 4. Si tu bouges 3 bits, il devient 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et même affaire, c'est-à-dire division par 2, division par 4 et division par 8, dépendant combien de bits et combien de bits tu peux bouger. Correct? Ça, on appelle ça shifting. 1 bit, 2 bits ou bien 3 bits. Correct? Moi, je vais écrire trop beaucoup dans l'exemple, mais vous pensez que je peux comprendre. Et là, si tu bouges du côté tout, left, c'est un bit, toujours, de multiplication par 10. Correct? Et tu shiftes les 2 bits de côté, il y a une multiplication par 4. Correct? Et si tu shiftes les 3 bits de côté, côté gauche, il y a une multiplication par 8. Ok? Allez, question pour moi? Même code logical shift. C'est-à-dire shifter bits. Ok? Non, là, même code shift. Moving bits, the register from a given number of places. Dépendant combien de bits, nous le shift. Et le cas shift to the right ou bien le shift to the left. Et le shift to the right veut dire division, shift to the left veut dire multiplication. Dépendant combien de bits. Ok? Maintenant, il y a logical shift. Bit shifting out of the register. Bon, si arrivé, il y a un register là, nous peut bouger ça bit là, un bit, deux bits, trois bits, quatre bits. Si nous bouge ça plus que cinq bits, et là, bouton de haut. Et le bouton de haut, nous remplacer pour un 0 côté droit. Correct, j'avais ça, logical shift. Maintenant, qui veut dire arithmetic shift? Ok? Arithmetic shift, the sign of the number is preserved. C'est-à-dire, nous gardons, réserve ce sign. Qui veut dire sign? C'est-à-dire, positif soit négatif. Bon, qui veut dire cyclic shift? C'est-à-dire, les ou shifter côté droit, ça bit qui peut tomber là ou remplacer par là. Il fait un cycle, bit qui peut tomber en dehors de register, de remplacer côté droit. Il veut dire no bits are lost. Il veut dire bits shift out of the register, what at the end of the register, is are introduced at the other end of the register. Bon, on va expliquer. Ok, nous allons prendre l'exemple pour expliquer ça. Mettons, tu as un register. Voilà, nous dessinons un register. C'est dessiner un register. Voilà, c'est un register. Correct. Mettons, tu as 20 bits en dernier. Voilà. Et là, tu as N. Là, le serveur de couleur. Tu as N. 0, 0, 0. Et N. 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 Et N. Bon, dans cyclic shifting, si ça bit là, il move out. C'est-à-dire N, il se routine. S'il est sur outil, correct. Et là qui est arrivé, ici qui peut venir, il peut venir 0. Parce qu'il y a une bouse en dehors. Je vais bouser, ça vient 0. Ça vient 0. Voilà, je reprends lui. Ça vient 0 parce qu'il y a un lanal dehors.
to put another 3-0 and the draw. Et ça vient n. Mais ça n là, il vous prend, il vous ré-rentrer là-dedans. Ok, il vous ré-rentrer. Voilà, c'est mon cas ici. N là, vous êtes là. Et bien, cyclic shift, no bits are lost. Par contre, dans le logical shift, bit qui vous sortit, ne vous remplace ni pas 0 par DIA. Correct, ça là, c'est un cyclic shift. Que no bits are lost, bits. Allez, je vais être un moment là. Allô? Oui, chef. Bon, je vais comprendre. La shifting, d'ailleurs, nous l'expliquer. Shifting, nous dire qui est capable right ou bien left. Correct? Et dépendant, si je te connais, si le right, il y a division, si le left, il y a multiplication. Et il dépend combien de bits il y a shifting. Correct? Ça, mon pensée correctement. Ok? Logical shift, nous causer qui bit shift out of the register or replaced by zeros. Je vais comprendre le diamant. Un bit qui sortit des bits là, il est remplacé par un 0 là. Ouais, c'est un logical shift. Arithmetic shift, ce qui est intéressant là-dedans, ce sign. C'est-à-dire, tu connais ça bit là, dans mot signal bit, il se sign bit ça. Il preserve ce sign bit. Si le n veut dire négatif, il toujours reste négatif. Si le 0 veut dire positif, il toujours reste 0. Il est toujours positif. Mais cyclic shift veut dire si un bit peut move out, c'est un bit qui peut sortir out là. Il pourrait rentrer par derrière. Après ça, ça cyclic shift. No bits are lost. C'est-à-dire, bits out of the register are introduced at the other end. Right? Maintenant, ça nous finit d'expliquer. Nous expliquons shifting. Nous expliquons left shift. Left shift veut dire bit shift to the left. Et bit shift to the left, nous dit qu'il y a une multiplication. Right? Et bit shift to the right, ça nous finit d'expliquer. Shift to the right veut dire division. Et combien de bits lit tout ça par n? N c'est number of bits. What is n? Mettons n is a number of bits. N is equal to number of bits. Number of bits. Killing shifting. On est quand même multiplié ou bien division. Right? Allez, right. Monitor automatic the reading of device. Bon, ben. Normalement, dans Form Sensor, fait un chapitre que nous avons un register et chaque bit peut contrôler un actuator ou bien un sensor. Un actuator, normalement, il fait ce fan vide on ou bien off, il fait ce door vide on ou bien off, parfois il tourne un moteur on ou bien off. Mais je ne sais pas pour contrôler mon device. Bon, mass. Mass is. What is mass? A number that is used when. Logical operators comme AND, OR, SO are identified. Ok, nous servions MOS. MOS c'est un chiffre et un number. Ok, qui nous servit pour faire logical operation. Dans les autres, MOS c'est un number qui nous servit pour faire AND operation, OR operation avec SO operation. Pour chaque operation, nous prenons un number et nous pouvons prendre. Ok, maintenant de continuer. On va aller qui une rentrée, nous réglons que ça une rentrée, c'est la partie là. Nous réprenons attendance là. Voilà. Maintenant, nous continuons à expliquer. Et après, je pourrais aller voir. Bon, shifting, moi, je finis expliquer. Shifting, shift, nous finis expliquer. Logical shift, nous finis expliquer. Arithmetic shift, cyclic shift. Tout cela nous finit expliquer right shift et left shift. Maintenant, pour faire shifting dans assembly language, pour te shifter, tu as deux commandes. Un appel LSL qui veut dire LSLN avec LSR. Bon, L là veut dire left, R là veut dire right. Veut dire L là veut dire. Ok, logically shift. Ok, veut dire L veut dire logically, S veut dire shift, ban bits to the right. Veut dire si je vous donne l'exemple, ok, si je vous donne l'exemple. Chef, combien là pas left ça? Vraiment? Pour combien là pas left ça? Ouais, left. Allez, capable de mal dire. Logically. Non, la première là, tu veux dire moi là. Combien là?
Ouais, logical shift veut dire elle là veut dire logical, s là veut dire shift et elle là veut dire left. Correct? Bon, qui a des chiffres, il peut faire? Il peut shifter logically. Combien de places? Bon, ça va aller à la limite de droit. Par exemple, il a de droit L, S, L, 5. C'est seulement 5 là, il peut écrire en J's, mon bon. J's 5. Non, 5, trop beaucoup. Nous prenons un autre exemple. Zone 2. Non, non, nous prenons dire N. N. C'est facile. Bon, qui veut dire ça? L, S, N. LSN veut dire, si tu as un register, et donne quoi un register, là vous expliquez un peu plus bien, rapidement. C'est un register. Ok, nous prenons, nous mettons une valeur là-dedans. Nous allons mettre une valeur là-dedans. Voilà. Nous mettons, bon, les pouces shifter tous les left. Voilà. Nous mettons 0, 0, 0, 0, N, là, nous mettons 0. 0, 0, 0 et là on met n. Ok, bon, qui chiffre ça? Malheureusement on va dessiner bien, moi je vais pas dessiner bien. Bon, qui chiffre ça représente que ça n'a pas diamant n? Non, il pas représente n, non? Ah ouais ouais ouais, moi qui fais là, n. N, ouais, tout ça par 1, non? Non, tout ça par 0 1, non? Ouais ouais, n, là. N. Ouais. Ouais, il représente n, correct. Et là, si moi applique ça, left shift là, veut dire ça, bit là, il peut bouger n place, de left. Veut dire, il y a une multiplication, veut dire ça, veut dire, n multiplication, left, veut dire multiplication. Voilà. Et tout ça par 1. Tout ça par 1, veut dire 2. Veut dire ça, n là, il peut bouger, il peut venir là. Ok, voilà. N, 0, 0. Bon, vous avez des difficultés pour écrire, mais bon, c'est ce que je veux dire. Ce 4 bits, avec ce 4 bits. Mais il y a qui chiffre l'invini, l'invini 2. N fois D, l'invini 2. Correct? Voilà. Et il y a là, ce que nous faisons, nous faisons un logical shift to the left. Maintenant, après ça, si nous faisons un logical shift to the right, il y a, c'est pas un bit, un bit qui est accumulé, c'est ça, hein? Il y a accumulateur, ça va aller, hein? Accumulateur, ça va aller. Il dit là, il fait un right shift. Ok, il place it to the right. Et zeros are introduced to the left hand side. Il dit si il bouge de l'autre côté, ben, shift là, il va être remplacé par un 0 ici. Correct. Et si tu bouges par là, tu remplaces par un 0 ici. Correct. Allez, question pour moi. Nous finissons ici logical shifting. On explique left shift, right shift. Mais tu peux prendre beaucoup l'exemple pour expliquer. Mais après, ne bougez ça. Allez, question pour moi. Non. Correct, là, ça fait comprendre, mais c'est moi, vous apprenez beaucoup d'exemples. Vous pouvez expliquer. Correct? Un shifting, ça. Logical shift, ça. Correct? Bon, nous avons dit là-haut, combien qualité shifting est là. Et nous savons, expliquez-vous. Voilà. Nous regardons nos notes, nous cause shifting, nous cause logical shift. Ok, qu'est-ce que c'est un logical shift? Il est bousé. Ça va être vacant, place, ça te remplace par 0. Correct? Nous faisons left shift, right shift. Et surtout, nous avons get assembly code pour left shift avec right shift. Et ça, les représente un shift. Et qui peut shifter, il applique sa code. Là, c'est un bit qui est un accumulateur. Allez, nous continuons. Maintenant, ça est intéressant. Tu peux faire bit manipulation. Ok, bit manipulation. On peut décider. Okay. Bit manipulation for monitoring and control. Là, tu peux faire N operator, O operator, Zo operator. Bon, pour t'appliquer ces opérateurs là, tu peux servir là-dedans ce qui te comprend, tu peux servir man masking, mask. Correct? Bon. Voilà, N operator de opcode, de N. Ok? Et ici, bitwise, tu peux faire bitwise operation. Qu'est-ce que c'est bitwise? Bit par bit, tu peux appliquer N operation with the content of the accumulator. Correct? Et là, si tu gagnes N, mais ici, c'est un valeur. Ici, c'est une memory address. C'est-à-dire, tu as dans sa place en mémoire, sa valeur qui tu es dans là, tu fais bitwise operation avec accumulateur sur valeur. Correct? Zo, pareil, il est capable avec un chiffre ou bien une memory location. O, pareil, avec un chiffre ou bien une memory location. Mais rappelle bien, tu lui fais bitwise operation avec accumulateur. Ok?
Bon, question pour moi. Qui est l'opérateur que tu as connu dans toutes les syllabes? N, O et SO. Là, je vais vous faire un exemple là-dedans pour que vous compreniez plus bien. Correct? Bitwise operation. Et il y a de faire bitwise operation, qu'est-ce qu'il dit à toi? Activate adresse. Use mouse. L'opérant is used as the mouse. Mouse là, c'est ça chiffre qui te pour multiplier là. Tu as pas envie de donner l'exemple là? Non, il y a un exemple. Allez, je vais vous essayer de ça là. Hein? Ici, elle dit. Ok. LDD and compare, ça c'est un code de assembly language, mais je prends envie de connaître sensor. Sensor, ce valet, il pas de free sensors. Assembly language, go to test free sensors. Okay. Load the content of the sensor. Sensor, ce valet, il pas de donner. Ok, il pas de donner. Mettons-le capable de prendre un valet. Allez, rapide. Ok. Je vous sais expliquer ça code là. Voilà, tous les enfants, allez dans votre livre. Je vous sais expliquer. J'espère que vous savez suivre moi. Allez, print screen. Vous allez expliquer ça parfois. C'est bien intéressant, mais vous allez suivre. Allez, à droite. Maintenant, là, qui nous apprend? Suivez-le, je vais comprendre ce dire là. Hein. Je vais dire sensor. Ça va aller pour l'accumulation. Load the content of sensor in the accumulator. LDD veut dire, il y a un code sensor, il prend ce valet, il y a un accumulateur. Maintenant, sensor ne donne rien de valet. Mettons sensor, ouais, voilà. Sensor ne donne rien de valet, sensor, S-I-N-S-O-R. Moi, je vais écrire bien. Sensor, ce valet, disons, nous mettons 0, 0, 0 et 0. Et nous mettons 0, 0 et 0. Et N. Correct, ça ne sensor ce valet. Bon, sensor ce valet qui dit PP. Il peut avoir dit load the content of sensor into the accumulator. Voilà, accumulator peut gagner sa valeur là. Accumulator peut gagner valeur 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et N. Voilà. Maintenant, qui dit first? Il apply an N operation avec ça va aller B. Ok, c'est une masse. Ok, B, N, N, 0. Mais c'est moi qui me servis J. J, ce qui veut dire masse 3 bits. Dit la binary là. Oui, allô, allô. Ça là? Oui. Moi dans la classe là, moi online. C'est mon avocat, venu dans 15 minutes par là, après 15 minutes. Au moins, c'est même. Et c'est moi, vous avez fini d'avoir un prix raisonnable. Combien ça vous prend pour l'escar? Non, demain, un prix qui m'a payé. Je si vous demande un prix, moi, vous m'avez payé, moi, vous m'avez payé. Fini d'avoir moi avant. Allez, demain, un prix, téléphone-moi, demain, un prix, et nous guettons. Très bien, il y a encore une chose, non? Il y a très bien. Récemment? Non, fond là, pas besoin, pas nécessaire. Non, pas nécessaire. Non. Pardon? Ouais, pas critique. Ouais, ouais. Combien ça vous prend? Allez, déjà, allez, je fais. Allez, merci. Allez, maintenant, MOS. Ok, free bits. Allez, c'est avec moi là. Correct. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire là? Moss. Adjoan. Allez, right. Vous allez venir rentrer. Qui est de classe supposée commencer aujourd'hui? Allô? 8h. 8h. 8h? Et qui est supposé, oui. Et qui est supposé finir? 9h, mon frère. 9h. Voici mon point dans l'autre chose là. Hein? Correct. Allez, ne check un coup là. Maintenant, ici, qu'il peut faire, il prend sensor sur valeur, mettons le mettre dans sensor en valeur, et là, il fait LDD, veut dire qu'il prend valeur sensor, il a envoyé l'accumulateur, bien bon. Maintenant, N, il peut faire N operation avec sa valeur là. Bon, ça veut dire binary, et
n, 0, n. Vous pensez comme ça là. 0. Ok. 0 avec n. Il peut faire une n operation. Qui veut dire une n operation? Je sais expliquer. Il y a chaque bit de vous multiplier. Qu'est-ce ça n là? Voilà. De vous multiplier là. Ça n là multiplié par 0. Qui résultat pour gagner? Ça 0 là multiplié par 0. Et ça multiplié par 0. Voilà, chaque bit pour multiplier là. Et ce résultat, n fois 0 dit 0. 0 fois 0 dit 0. Et 0 fois n dit 0. Et là, tu vas remplacer ça par 0, comme ça, par 0. Et tu multiplies. Qui veut faire un n operator? Un n operator, bitwise, ça, bit par bit, tu veux multiplier. Veut dire, dans l'accumulateur, sa valeur, tu veux multiplier avec sa valeur qui est dans toi là, sa valeur là. Avec sa valeur là. B, là, vous pensez binary, ça. Et n, 0, n, tu peux multiplier avec accumulateur. Veut dire, sa valeur là, elle peut servir comme un boss. Qui veut dire un boss? Veut dire, sa valeur là, peut multiplier avec valeur qui est d'accumulateur. Quelle valeur qui est d'accumulateur? Ça, c'est valeur de ce chiffre là. Tu peux faire bit par bit, tu peux multiplier. Qui opérateur, tu peux servir n. Veut dire, n fois 0, 0 fois 0, n fois 0, 0, 0, tu peux multiplier. Et ça, résultat qui te peut gagner après n operator. Et ça, le résultat qui te vous fait là, te vous comparer, ok, te vous comparer avec sa valeur. Et là, te vous comparer, il n'est pas pareil, ok, il n'est pas pareil. Parce que sa valeur là, te vous comparer. Ça, le résultat là, il vous garde ça d'accumulateur, voilà. Ok, sa valeur là, vous retourne d'accumulateur. Et te vous comparer, sa valeur là, c'est 0. Te vous comparer avec valeur n, 0, 0. Mais tu n'es pas pareil. Si tu n'es pas pareil, mais tu peux faire GPN. Mais tu fais ça. Et GPN, là, il faut jump, il faut le faire valer qui est dans sa processeur. Correct? Bon, là, le pays n'a pas valer, ne pas connaître qui vous faire. Mais si tu n'as pas valer, tu peux jump, tu peux aller là-bas. Maintenant, là, ce qu'il devrait faire, il reprend valer qui est dans un autre sens. Ok? Il faut reprendre valer qui est dans un autre sens. Et vous mettez d'accumulateur et vous appliquez un zoo operation. Qui vous pouvez expliquer un zoo operation? Ok, un autre valeur. Zoo qui veut dire? Il y a chaque bit, s'il est pareil, tu peux mettre 0. S'il est différent, tu peux mettre n. Par exemple, ça est là pareil, tu peux mettre 0. Et là, il est différent, tu peux mettre n. Ça s'appelle ça un zoo operator. Maintenant, nous vous essayons de voir, il va rester beaucoup de temps. Nous vous essayons de voir, nous mettons comment les élèves capables de faire, les élèves qui nous suivent mon classe. Voilà, si ils suivent, les bons, si pas suivent, pas grave. Et ils vont recorder comme une vidéo. Maintenant, de pousser ça des voix. Avec dans notre livre, Helen William. Voilà, de pousser ça des voix. Activité. Correct. De pousser le travail, de guider comme les élèves qu'à faire. Et nous avons une réponse. Voilà, nous l'ouvrons. Correct là. Allez, si on avait suivi là, mon les élèves qui sont rentrés, je peux reprendre la tendance une dernière fois. Il y a 12 élèves qui sont rentrés. Voilà. Et si ce n'est pas pour rentrer régulièrement, on vous mettez en déo, groupe là. Correct? Pas de problème. Vous n'avez pas pour suivre classe. Parce qu'il n'est pas régulier dans ce travail. Correct? Et attendez, on finit. Voilà. Et les qui sont rentrés, on finit prendre 12 élèves sur attendez. Correct? Pour le fils. Maintenant, nous continuons. Ça dévoile, nous n'avons pas faire. Allez. Ça va être un mois là de tout. Puis ici, il y a un internet problème. Bon, John, il lève tard. Correct? Non, monsieur, vous l'avez là. Allez, Rai, Baldiwan, Vir, la même. Allez, deux voix là, il faut déjà nous suivre. Hein. Si tu ne pas suivre, je ne vais pas répondre. Maintenant, nous avons 5. Correct? Nous allons faire cette activité là. Hein. Nous causer, nous avons la réponse. State the content of the accumulator register after the following bits instruction have been executed. Bon, accumulateur, il a sa valeur. Ça, B là qui veut dire binary. Et ça, tu as 4 bits. Et ça, tu as 4 bits. Mais dire dans l'accumulateur, il y a sa valeur là, en binaire. Ok? J'espère que tous les enfants comprennent. Ce n'est pas un comprendre. Dans l'accumulateur, il y a sa valeur là. Correct? Attends, Z. Voilà. Accumulateur, il y a une valeur 0, 0, 0, N, N, 0, 0, N. Non, je me fais erreur. Non. Non, il est bon là. Dans l'accumulateur, il y a 0, 0, 0, N et N, 0, 0, N. Correct? Allez, right. Maintenant, il va appliquer sa commande là. Allez, c'est là qu'il a répondu moi. Sa commande là, c'est quoi? Logical shift to the left. Yes. Correct? Logical shift to the left.
Combien bits libres? Left. Ouais, combien bits, combien places libres bouger? Left. 4. 4. Je vais dire ça, n là pour bouger, il faut une n place, 2 places, 3 places. Attends, attends. Hein. N, D, 3. Les boutons en déo là. N, D, 3. Quatrième place, les boutons en déo. Correct? Je vais dire ça, premier n là, bouton en déo. Ici, il tombe en déo, nous mettons les en vert. Correct? Ça, deuxième n là, pour venir là. Correct? Après, il y a 2 zéros. Voilà, moi, 2 zéros. Bon, si nous dessinons plus bien, tu coupes plus beau. Attends, nous dessinons plus bien. C'est moi, malheureusement, qu'il y a. Regarde, dessiner mon bébé. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Bon, ce qui est intéressant là-dedans, sa première n là, elle nous fait 4 chiffres pour vous en déo de registre. Parce que 1, 2, 3, 4, les boutons en déo. Correct? Et là, qui peut arriver? Sa n là, sa deuxième n là, 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 ça, qui peut venir là. Il est là pour mettre des 0, 0, 0, avec ça. Et derrière n là pour venir là. Et les restes pour remplacer, il peut avoir un 0. Je vais faire 4 chiffres. Je vais dire, je vais shifter 4 places pour le left, 4, 0, une rentrée. Voilà ce 4, 0, une rentrée. Et ça, n là, est là. Ça, n là, il y a une boule de haut. Final, en de haut, tu résistes. Correct? Allez là. Correct? Allez. Il y a une boule de 4 places. Maintenant, ça qui va aller à Tieté avant. C'est la carte avant. State the content of the accumulator. Non, c'est une réponse ça. State the content of the accumulator. Bon, l'accumulateur qui est du point là. Allez, je vais suivre. Après qu'il nous fait un shift là. Voilà ça qui pourrait être l'accumulateur. Moi, c'est ici, il vient de l'autre couleur. Couleur pour monter. Monter l'accumulateur pour nous savoir là. Ok. Allez, nous check réponse pour le livre là. Est-ce qu'ils sont d'accord ou qu'ils ne sont pas d'accord? Pose question. Le shift LSF, left, 4 places. Bon, c'est la carte diamant avant qui va aller à Tieté ça. Allez, cause vite vite, pour les temps bien limités là. 4 minutes restées. 25 ou quoi? 20, 25, comment nous gagnons 25? Nous calculons un peu. N. N, D, 4. N plus 16 plus 8. 16. Bon, 16 plus 8 fait 24 plus 5, 25. Ouais, ouais. Et si il y a 25, allez, si il y a 25 enfants, qui te le faut le faire? Tu le multiplies par, puis tu es par tout ça par combien? Tout ça par 4. Tout ça par 4, combien fait ça? 2 fois D, 4 fois D, 8, 8 fois D, 16. Mais j'ai dit faire 25 fois 16. Bon, il n'y a pas de demande. Hein? 25 fois 16, combien fait? Allez, je vais calculer, je vais guetter. Maintenant, on va montrer cette réponse. Ça, c'était un. Ça, ce réponse, ça. Qu'est-ce qu'il dit? State the content of the accumulator register. Voilà, l'accumulator register, qu'est-ce qu'il est là? Ce qui est en dents carré là, là. Hein? Allez, on va bouger. On va montrer cette réponse. On hein? va trop de payer les temps là. Mal des réponses. Pas la réponse. Donc ça, le rôle de ça. Là. Allez, aide-moi un coup de vite vite. HSI, Hélène William, c'est bonne réponse. Allez, qui a activité ça 4C? Tiens-moi vite vite. Dans votre livre, il est devant votre. Oui, 4C. Allez, 4C sur réponse, nous guettons un peu. Allez là. Voilà, guettons une réponse là comme ça. Binary. B veut dire binary. L'accumulateur pour un N, 0, 0, N. Le reste tout 0. Check un petit nom de gain. N, 0, oui. 0, N, 0, 0. Mais c'est pas tout de mettre B devant pour dire les binary. Allez, c'est là sur réponse. Je vais travailler ça. Ok, on peut essayer de travailler là. Là, tu mets bouge right. Right qui veut dire, il vous bouge côté droite. Combien de places? 5 places. Ok, veut dire ça, ça N là, il vous bouge 5 places. Attendez, ça pour finir tout rouler là. N, D, 3, 4, 5. Veut dire 5 places. N, D, 3, attendez. N, D, 3, 4. Pas pour non, il est là. Je suis tout bâti ton. Tu vas mettre ton rouler là? Ouais, moi, tout bâti ton rouler. Tout une 0. On pensait, parce qu'il est là, si tu bouges ça, N, D,
6, 3, 4, 5. Tout bouton, ça, on va gagner 0, moi. Ok, d'après moi, réponse 0. Donc, tu as une coup de qui vient de donner. Réponse 0, mon pensée. Voilà. Oui, 0, monsieur. Voilà, je me comprends, lui. Ok, et tu mets un B devant. Vous voulez dire, bah, il nous dit ça. Correct, les enfants? Je me comprends, lui. Est-ce que vous suivez moi? Correct. Allez, maintenant, moi, vous donne homework. Voilà, j'ai des voix qui se pouvaient faire. Je expliquer, je corrige un peu des voix. Et là, assembly language for instruction. Allez. Qui peut faire? Il peut 7 4 bits. 7 4 bits in the accumulator. Qui veut dire 7? 7 veut dire faire in N. Tu peux 7 4 bits in the accumulator. Qui veut dire ça? Il veut dire d'accumulateur 4 bits peut in N. Mais qui commande te servir pour faire 4 bits in N d'accumulateur? Correct? Donc, il y a un peu de clé. Voilà, tu servis O operator. Qui veut dire ça? Ça, je vais vous expliquer. Veut dire. Quatrième bit te peut faire devenir N. Ok? N'importe qui shift chain a de valeur avant, si tu appliques ça au operator là, ta valeur là, et tout bonne valeur qui tient avant, allez, moi expliquer. Il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il me dit ça question. Allez, je vais expliquer. Ok? Pour s'expliquer là. Hein? Voilà, pour s'expliquer ça. Allez, ça, je vais expliquer là. Il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Je vais essayer. 7. Qui veut dire 7? Qui bit? Bit numéro 4 d'accumulateur. Veut dire, si je dessine accumulateur là, attends, je dessine accumulateur là. On dit ça, moi, accumulateur. Allez, bit numéro 4 pour obliger vin N. Donc, 7 li N. Qui te peut faire en l'idée? Pour qui tu es là avant? Attends, hein? Donc, ça s'explique ça. Delete. Allez, right. Expliquer. Allez. Pourquoi zoom in TM? Ne sais pas si tu es là. Ok, mon père Rico, dis autre get vidéo là. On se les montre. Allez, ok. Ouais, nous vous faire en peine des 3 minutes, nous vous arrêter. Bon, je peux vous dire toi si valeur d'accumulateur, n'importe qui valeur tu es d'accumulateur, si tu fais bit operation O, ok, si tu fais bit operation O, qu'est-ce qui peut arriver là? O. Vous savez expliquer, il n'est pas autant facile pour expliquer ça. On dit 3 élèves viennent rentrer. Les restes, mon pensée. Voilà. Ok, bon, mettons d'accumulateur. Voilà, ça te accumulateur. Et si, si. Ok. Bajan, correct. Correct, monsieur Saïd. Correct. Allez, get là. Il y a pas de qui va aller pour une là. Après, il y a bit, deuxième bit, troisième bit, quatrième bit. Ça, mon métier de couleur. Ça, mon métier. Voilà, ça X là représente la bande bit. Maintenant, si tu fais un O operator et tu servis ton mouse, voilà. Ton mouse te servis 0, 0. 0, N. Et les restes mettent 0, 0, 0 et 0. Vous pouvez dire, là, vous
multiplier, tu fais un O operator avec sa valeur là. Dans accumulateur, n'importe qui valeur qui est là, tu peux ajouter N en ligne, tu peux obliger une N. Voilà, ça logique là-bas. C'est-à-dire, tu prends sa base, sa valeur là, tu fais un O operator en accumulateur, sa valeur ici là, tu peux obliger une N. C'est même sa réponse là. Tu peux 7 sa quatrième bit là, ça c'est sa quatrième bit ça. Tu peux 7 li vin N. La façon que tu peux faire quatrième bit vin N, c'est de utiliser servir sa commande. Sa commande O, tu servis sa commande O et tu servis mass binary et tu set quatrième bit N. Voilà. Vous pensez comme ça. Ce quatrième bit N. Ça, veut dire que tu peux servir sa mass binary là, là. Quatrième bit N. N'importe quel chiffre, tu peux ajouter N au lit pour une N. Tu peux servir N. Le reste, tu peux 0. Voilà. Maintenant, on peut arrêter la même. Parce que la plupart des élèves finissent à aller. On peut arrêter la session là. Stop. Correct. Et vidéo pour l'autre YouTube. Ok. On a envoyé une vidéo. Mm-hmm. Allez, au revoir. Bye bye.